Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Magine80100 pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième live sur Skyrim qui avait débuté il y a un petit temps. Et je suis désolé de ne pas avoir pu mettre la suite tout de suite, parce qu'une vidéo aussi longue demande beaucoup de travail. Mais bon, ce n'est pas grave. Nous allons continuer cette aventure. Je tiens à vous dire que j'ai fait des tests son et d'image avant de lancer un enregistrement. Et j'ai un peu avancé, je vais vous avouer, j'ai un peu avancé dans les ruines parce que je tombais sur un passage vraiment difficile avec au moins une dizaine de Felmer en armure. J'ai dû recommencer je ne sais pas combien de fois. Donc ça aurait peut-être même pris un épisode pour un petit passage, enfin un épisode une heure pour un petit passage, et ça ne vous aurait pas plu. Donc j'ai retrouvé Lydia, bonne nouvelle, et donc nous allons continuer pour cette aventure. Ah, avec cette musique épique, excusez-moi. Bon, donc nous étions dans les ruines d'Oemmer. Et voilà, et j'étais arrivé dans une salle vraiment, vraiment belle, mais belle à en tomber. Donc, voilà, vous allez la découvrir en tant que moi, parce que je n'ai pas beaucoup avancé dedans, j'ai dû faire une dizaine de pas. Donc, voilà. Oula, il y a déjà de la musique. Pourquoi j'étais en combat? Attendez, je reprends en tant que vous, là. Hein. Est-ce que j'étais en combat? Vous avez pu voir aussi que j'ai passé mon niveau pour remettre mes points de vie... au top contre les Felmer. Donc c'est reparti hein, pour une heure de live. Une heure. Ah, voilà, c'est là que je vous dis. Regardez ça. Regardez ça. Non, sans déconner. Sans déconner. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est beau, hein. Rien à dire. Bon, oula, il y a deux ennemis. Oh. Wow, wow, wow. Ah, là, c'est pas ce que j'ai vu, là. Attendez, attendez. Ils sont bien gentils, mais... je crois, ouais. J'avais pris toutes mes potions. J'avais pris toutes mes potions lors du combat contre les Felmer. Là... Comment je vais faire? Comment je vais faire? Bon, attendez, on va prendre. Tant qu'on y est. On peut ici? Ah non. Prendre le soin là, parce que. Oh là là. En expert, hein, je vous rappelle que je suis en expert. Et que je suis pas un expert! Voilà. Magnifique. Par contre, vous avez pu voir que sur votre écran, normalement, j'ai baissé la luminosité. Pour que vous voyez un peu plus ce que moi je vois à l'écran. Parce que vous, c'était hyper éclairé et tout, vous voyez bien. Mais là, vous verrez vraiment ce que je vois à l'écran. Et aussi, là, si vous avez vu ma dernière vidéo, tant de choses à dire. Je vous ai parlé d'un ordinateur que j'aurai à la fin d'année, etc. Pour faire plus de vidéos, tout ça. Et là, j'ai fait, en attendant Noël, une installation... Il vient vers moi là? Ah oui, il vient vers moi. J'ai fait en attendant une installation. Attendez. Une installation avec un PC. Un PC de bureau. Moins puissant que le mien, je dirais. Mais je pense que. Vu que l'ordi, on va dire, est vide, formaté juste avant. Ça devrait pas trop poser de problème lors des cordes.
Et je vous jure que ça va être l'enfer, hein. Ces ruines vont être l'enfer total. Mon Dieu, mon Dieu. J'espère qu'à la fin le rendu ça rendra bien. Vu que c'est pas avec mon ordi, je ne sais pas du tout le rendu que ça va donner. Est-ce qu'il vient m'attaquer tout de suite? Ouais, c'est ça. Non, attendez, je vais tenter autre chose. Elle est où, Marc? Là. Marc mortel! Oh les esquive. Aïe, il fait mal. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Par contre, Lydia n'est pas là, je viens de remarquer. Ah non, mais en fait, ils se battent entre eux. Bah, attendez, je vais les laisser se battre, hein, on va dire. Magnifique. Bon. Mon Dieu. Là, je me taille là. Hein. Oh mon Dieu. Ce qui m'a mis. Il est où? Attendez, je vais balancer un déferlement. Normalement, sur eux, c'est efficace. Ah, mais ils sont deux! Mon Dieu, mon Dieu! Comment je survis à ça, moi? Voilà. Non, sérieusement, est-ce que je vais sortir de ces ruines vivant? Enfin... Est-ce que je vais réussir à sortir de ces ruines, tout simplement? J'ai plus de potions. Pour l'instant, je vois que le record, ça va bien. Mais j'arrive, je suis déjà en combat, quoi. C'est quoi ce délire? Attendez, je sais pas si c'est bien que je le fasse, mais pour vous et pour moi, voilà. Bon, hache d'armes. Et j'ai dit, je vais essayer la marque mortelle, hein, juste pour voir ce que ça fait, enfin pour voir si ça marche bien. D'ailleurs, je sais très bien ce que ça fait. Oh oh oh. Donc normalement il y en a un deuxième, je crois, à là-bas. Regardez là. Ah putain, mais c'est quoi cette portée qu'il a? Normalement après je peux lui balancer un déferlement. Hop 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 hop. Ah oh. Ah, j'ai plus le sort illumination, désolé. Alors. Ah, par contre, là, j'ai séché, hein, pour le dire. On peut le dire, on peut le dire. Bon. Regardez ça. Ah, il n'y a plus de combat. C'est pas beau. Est-ce que c'est pas beau?
Une pierre, ça? C'est pas une pierre. Oh! Waouh! Juste. Waouh! Bon, bah, allons-y. Je laisse comme ça parce qu'en fait, avec l'ombre, je trouve que ça rend bien. Un petit peu parce qu'on y est pour la journée encore. Sprint, même un petit coup là. Bon. Ah. Ah, ça c'est des araignées. Ah non, c'est pas des araignées. Ah non, 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 non. Mon dieu, comme il m'a sauté à la figure. J'ai cru que c'était une araignée. N'était pas une araignée. Je recommence d'où là alors? Ah, j'en étais sûr. Bon, je crois que pour le début, j'ai compris la technique. Faut prendre marque mortelle. Bien d'accord jusque là. Oh, mais une carte de flèche d'ici quoi, vous êtes sérieux? Hop. Aïe. Bon, attendez, je me soigne en attendant. Hein. En tout cas, ils sont en train de se battre, c'est au cas où vous voyez pas. Hein. Oh, magnifique! Épique! Hop là, ça t'est fait. Il y en a encore un là-bas, je crois. Hein. C'est ça? C'est ça. Viens, coco. Magnifique. Ah, j'en étais sûr qu'il allait réussir à m'envoyer. Merde. Ah, punaise, les touches de Call of Duty. Ah. En fait, tout à l'heure, on est passé à côté de la porte. Ouvrir le laboratoire de... Ah, oh, au moins, ça va me faire une sauvegarde. Super. Vous voyez, juste pour des petits trucs comme ça, je me fais allumer, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Ah, le mode expert, j'adore. Je fais tout ça pour vous. Hein. Oh, je suis où, là? Ça m'énerve, le bruit qu'elles font, ces machines-là. Alors, il y a de l'alchimie. On peut prendre ce qu'il y a autour d'abord. Ouais. Je prends ça et puis je vais essayer d'augmenter un peu mon alchimie. Chercher coffre. Un coffre, ça? Oh. Oh. À moi. Quoi, ça? Ça me sert pour la chimie, ça? Je pense. Alors, on va tout prendre. Ah, on a aussi la table dans. Vous ne pouvez pas. Pendant un combat. Oui, d'accord. Normalement, quand il y a un combat, on a des ennemis à proximité, on peut pas sauvegarder. Là, je peux largement sauvegarder. Hein.
C'était un bug. Ah oui, c'était un bug, effectivement. Il y avait un bug. Pour eux, j'étais toujours en combat. Bon. Dégâts de magie récupération. Je m'en fous de ce que je fais comme potion, si je vous le dis sérieusement. Je fais surtout ça pour l'XP. Là. Hop, on en fait un comme ça. On en fait un comme ça et un comme ça. Magnifique. Eh, vous avez entendu Lydia? Tout à l'heure, on ne la voyait pas. Et ben là, elle est revenue. Puis aussi, c'est peut-être pour ça aussi que je galère. Lydia n'était plus avec moi. Oh, j'ai découvert quelque chose. Super. Non. Petite séance alchimie, là, bien sympa. Voulez-vous quitter l'alchimie? Oui. Hop. Et on a ici l'enchantement. Alors, désenchanter objet. Qu'est-ce que je peux désenchanter, là? Ouais, non, là, l'ange la gare comme ça. Arc de Daedra. Je peux enchanter l'arc? Enchantons l'arc. On enchante quoi? On lui met quoi? Dégâts de feu, dégâts de foudre. Les créatures de plein. Pas dans 30 secondes. Non. Bon, on va, je pense qu'on va mettre des dégâts de vigueur. Ah ouais, d'accord, je viens de comprendre. Ok, on va faire comme ça. Mais du magistral, putain, je peux foutre ça, moi. Magnifique. Bon, pareil. Petite séance, hop. Faut dégâts de vigueur aussi, je crois. Dégâts magiques. Comment ça, dégâts magiques? Non, ça, je vais la garder nature, j'ai envie de vous dire, pour l'instant. Pour l'instant. Hein. Armure de pendragon légendaire. Enchantement. Alors, ça, je l'attends. Non. Renfort légère, hein, gobelin d'amel, non. Sort d'illusion, non. Sort d'illusion, non. Non. Sort de destruction, sort, mais. Ah! Armes et armures peuvent être améliorées. La première apparition dans l'épisode est dans 7 heures. J'ai tellement l'habitude de dire épisode avec. Oh, t'es un ami, toi. Ah! Ah! Ah, épique! Bam! Super. Bon. Attendez, je vais pas dire de conneries, mais je crois. Je dis bien je crois. Je ne suis pas sûr. Mais si on lance un déferlement là-dedans, un dragon devrait venir. Je ne suis pas sûr, mais si je me rappelle bien, oui. Prépare. Rodin! Il y a un dragon, en tout cas. Vous allez devoir. Ah, il est parti, je sais pas si vous avez vu, il est parti. La mort, ce n'est pas si bien que ça. Bon. Il est où le dragon? Il est où le dragon? Sur quoi, Lydia? Ah, là-bas, d'accord. Attends, je vais le défoncer. Le dragon devrait être ici, non? Effectivement. Allez, viens là, mon mignon. Oh,
Vous avez une astuce là que je viens de vous dévoiler. Ah oui, il prend les balles, mais on l'entend pas. Ah ah, je brûle. Attention les gars. Ta 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 da. Allez, c'est parti. Aïe 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 aïe, ça pique, ça pique, ça pique. Alors, vraiment, il est résistant. Ça, par contre, c'est une belle esquive, ça. Pas fait exprès, mais t'es belle. Comment je fais ça? Comment je fais ça? Comment je fais ça? Je sens, mais je sens que tu vas me sauver, toi. Je vais passer mon temps à me soigner là. Juste le temps. La marque est faite. Bien sûr, je n'ai plus de magie. Oh. Attendez, faut lui balancer un fusroda dans les dents parce que sinon ça calmera jamais. Bon, tu m'écoutes ou tu m'écoutes pas? Ah, je suis mort. Ah, dommage. Ah. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ah, punaise, qu'est-ce que je me rappelle Bob Lennon qui avait passé, qui avait battu ce dragon magnifiquement bien. Mais bon, j'ai envie de dire, sur PC, c'est pas pour les avantager ou enfin pour me plaindre ou n'importe quoi. Hein. Mais avec les mods, etc., sur PC, je pense que le jeu est un peu plus facile. Sérieusement. Avec les mods, etc. Je dis pas que les mods qui facilitent, hein. Justement, Bob Lennon, voilà, avait fait pour rendre... Bon, Lydia, je vais m'occuper du dragon, tu t'occupes de ça. On est d'accord. Non, il est... Le premier qui verra le dragon aura, je ne sais pas quoi, mettez dans les commentaires ce que vous voulez qu'il ait. Mais le dragon il est où? N'hésiterai pas à vous tuer si nécessaire. Bon, là au cas où il y a un ennemi devant moi, je tire dans le vent moi. Enfin, je tire au cas. Je tire au hasard moi aussi. N'hésitez pas. C'est pas vous qui voyez rien, moi aussi je vois totalement rien à ce que je faisais. Bon. On me dira, Lydia n'est pas morte. Regardez là où là, c'est Kiki là. C'est le même que tout à l'heure. Hein. Par contre, le dragon, je sais pas où il est. Hein. Allez, combat à la troisième personne. Ben. Dragon. Où est ce dragon? Je croyais qu'il y a un bug. Dragon serait-il trop lâche pour venir? S'il n'y a pas de dragon, je suis pas plein, je suis persuadé qu'il y a... Ah mais il n'y a plus de musique. Bon bah il n'y a plus de musique les gens. Il bon, n'y a peut-être pas eu de dragon, un bug. Tant pis, bon tant pis, tant pis, tant pis. Alors, petite sauvegarde. Ah, ça avance bien et puis le... Je vois que le record se passe très très bien.
Je sais pas si la qualité est moins bonne ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Je sais pas si c'est en fonction du PC ou... En tout cas, je vois qu'il n'y a pas de lag. Salle de débat. C'est quoi ça? Je vais à des endroits, je ne sais même pas ce que c'est. Par contre, là, je vous dis, je vais éviter pas mal les confrontations. On va essayer d'avancer un maximum dans l'histoire. Quitte à ce que je refasse une vidéo dessus, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord, d'accord. Il y a des gens. Il y a des gens. Bon, Najda. Normalement, des gens normaux, normalement, sont pas trop durs à vaincre. N'hésiterai pas à attaquer si nécessaire. Je vois rien du tout, moi aussi, ne vous inquiétez pas. Je me fie par rapport à mon casque, en fait. Je vais vous tuer. Elle était devant moi, là, normalement, non? Ah, voilà. Il y en a encore un là. Ah oui là. Je ne peux pas. Oups, excuse-moi Lydia. Tiens. Bam. Ça c'était épique. Bon, attendez, je vais fouiller un petit peu quand même les corps. Ah, ça monte vivante. Pendant 5 secondes, j'ai cru que Lydia était morte. Bon, allez, on prend une pièce. J'aimerais bien en fait à la fin de cet épisode avoir le parchemin des anciens. Enfin, de cet épisode. Oui, je vais dire de cet épisode parce que c'est possible. Que je viens de là ou pas? Non, je crois pas. Parce qu'il est possible que je refasse des vidéos dessus, il est même fort probable. Ce jeu est complètement épique. Donc ça fait presque 40 minutes là. D'accord. Je sais pas ce que je regarde sur mon téléphone. Est-ce que j'en ai pas rentré par là? Ouais, mais je dois aller là-bas? D'accord. Je dois aller là-bas, c'est pareil. Le dragon. La musique. Juste les amis, la musique. Vous avez écouté la musique, vous avez tout compris. Alors Lydia là va le distraire. Ah mince. Ça je peux pas faire grand chose. Enfin à part continuer de taper. Parce que sa vie descend vraiment doucement. Les gars, les amis, on y arrive. Allez, bam! Ha ha! Bien joué, ma Lydia. Attendez. Juste une petite illumination. Voilà. Arme de dragon absorbée, yeah. Et bon, on l'aura battu ce dragon. Allez, voyons voir ce que tu caches. De l'or. Non, j'en ai assez. Et ça pèse beaucoup. Le petit son là que vous entendez, ben en fait c'est
les petites plantes, la rouge que je ramasse depuis tout à l'heure en fait. Hop. Magnifique. Je sais pas si vous l'entendez bien. Porte. D'accord. C'est où, bord de ciel? Tour à Tundra. Pendant 5 secondes, j'ai vraiment cru à bord de ciel. Bon, vous me direz, j'ai pas le parchemin des anciens, donc... On avance, regardez, je suis presque niveau 36. Alors... Je suis où, là? Donc j'ai plus le sort d'illumination, mais c'est pas grave, c'est pas mal éclairé, ici. Ouais, bon, tu me diras, il n'y a pas grand chose. Donc là, voilà, j'ai décidé de vous mettre cette luminosité pour vraiment vous rendre compte. C'est beau ça. Pour vraiment vous rendre compte ce que je voyais pendant que je faisais la première épisode. Quand je vous disais, moi je vois rien du tout, mais vous voyez bien. Ah, je crois qu'ici on arrive vraiment au but. Mais en fait, ici, regardez ça, cette boule là. Cette grosse bouboule. La grosse boule là. C'est pas la boule qu'on a vue dans la première heure chez le fou là, enfin je l'appelle le fou, chez le casse-couille comme vous voulez, parce qu'il m'a cassé les couilles, c'était un fou. Ah oui, je me rappelle. Waouh, non sérieusement, waouh, juste waouh, voilà. Bon, re-waouh. Excusez-moi. Bon, qu'est-ce que je dois faire moi? Non, je dois faire quoi? Je dois aller là? Non. Non. Je dois faire quoi? Eh ben, je vois bien que c'est ça que je dois. Eh, mais j'active ça comment? Moi, je dois faire quoi? Non, attendez, il y a quelque chose là. Comment Bob Lennon avait fait? Ah putain, je m'en rappelle plus. Ah, bah, c'est ça. Attends, activez le bouton. J'ai appuyé là. Rien fait, d'accord. C'est quoi ça? Activer réceptacle du lexique. Waouh. Oh. D'accord. Bon, on va appuyer sur un bouton. Waouh. D'accord. Sur celui-là. Celui-là. Non. Celui-là. Oh putain. D'accord. Non. Non. Oh, c'est le même. Et ouais, mais ça me sert à quoi de faire ça là? Oui, c'est joli, mais. Regardez, ici c'est activé, vous voyez? Mais ici c'est pas activé. Comment on active? Attendez. Là, je le mets vraiment pour au cas où je verrais pas quelque chose d'évident. Livre abîmé, ouais. Et un squelette. Il s'appelle Drocht. D'accord, Drocht. D'accord, ça doit être pour rentrer, je pense. Mon dieu, comment on fait? Livre abîmé. Oups, on s'en fout. Plein de livres abîmés, bon, je m'en fous un peu. Livres abîmés, je trouve que c'est un truc qui sert à rien dans le jeu. Je sais pas si vraiment que des gens en ont déjà pris, enfin vraiment en prennent tout le temps, ou je sais pas. Allez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un engrenage ou de MR là? Ah, d'accord, c'est devenu comme ça parce que j'ai perdu l'illumination. Okay.
vrai, là ça change. Juste là, ce que j'ai fait, ça a changé quoi. Là, comme ça, ça a pas changé grand chose, on dirait. Attends, on va trouver. Non mais je suis sérieux, je ne vois pas à quoi ça sert en fait. Pas l'intérêt parce que là il y a ça et ici il n'y a pas le réceptacle, mais il est où le réceptacle? Enfin, je sais pas si j'en ai besoin, mais attendez, est-ce que si je bouge de là, Lydia? Non. Je me suis dit, est-ce que si je désactive ça? Mais non. Non. Là, ça, je suis sérieusement bloqué là. Possible, je suis passé à côté d'un truc, c'est pas possible. Pas un levier tout con, je sais pas moi. Je sais même pas, je viens de où. On va redescendre. Je sais pas si ça vaut le coup de redescendre, mais. Je regarde les trucs. Je regarde à des endroits improbables là, je me rends compte. Ouais. Non, sérieusement. Est-ce que quelqu'un voit l'intérêt? Enfin, voit l'intérêt. Voit comment faire. Comment Bob Lennon a fait? Attendez. Oh mon dieu, et si c'est ça, je pète un câble. Attendez. Je crois pas l'avoir, hein, pourtant. Non, je dois pas l'avoir. Toile d'Azura, émeraude. Émeraude, elle se vend cher? Ah ouais, je vendrais de l'émeraude, tiens. Si ça se trouve, je suis tellement con que j'avais le pas. Ah non. Je dis pendant 5 secondes, ça se trouve, je suis tellement con que j'ai le parchemin des anciens. En fait, il fallait l'activer ici, mais en fait, non, pas du tout. Je suis bloqué. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible que je sois bloqué non plus parce que. Il y a sûrement un peu. Que je ne vois pas lequel. On va parcourir un peu plus vite là, on va refaire exactement ce qu'on vient de faire. Regardez là, il n'y a pas une connerie comme ça où c'est qu'il y a un truc. Non. Regardez, je réexplique, c'est peut-être chiant pour certains, mais je réexplique pour ceux qui n'ont pas compris. Donc là, vous avez 4 boutons. Celui du milieu, on s'occupe pas, je vois pas à quoi il sert. Voilà, celui du milieu, on s'en fout. Vous avez 4 boutons. On est d'accord. Ce réceptacle, regardez, permet d'activer ces boutons-là. On est d'accord. Quand j'appuie sur un petit bouton, il y a tout qui change, je vois pas à quoi ça sert, mais bon, il y a tout qui change. Mais, ces boutons. Hop! Sans qu'on y ait prêt. Aha!
Je ne sais pas du tout comment j'ai fait, j'en sais rien. Bon, prendre. Ouais, j'ai le parchemin des anciens, yeah! Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Divers? Parchemin des anciens. C'est, il est dans divers, je pense, non? Si, peut-être, à moitié, on verra. Non, c'est plus haut. Pierre. Non, c'est pas ça. C'est clé alors. C'est clé qui est parchemin. Non. Livre. C'est peut-être livre, ouais. Voilà, ça, parchemin des anciens. Wow. S'il vous plaît. Ça fait quoi là? Bon, écoutez. Hop, on se casse de ce monde de fou. Mon dieu. Il reste encore quelques minutes. Mon dieu, en deux heures, en gros, grosso modo, en deux heures, en une heure et demie, on va dire, on a fait ces ruines d'Oemer. Mon dieu. Enfin, j'ai dit beaucoup mon dieu lors de cette vidéo, je m'en excuse, mais... Je reviens pas de la difficulté de la chose. De l'air. Oh yeah, de l'air. Ah non, sérieusement, ça fait du bien. Oh mon dieu. J'ai encore dit. Hein. Ouais, je vais arrêter avec ça. Ouais, et là je suis. C'est hyper beau. Oh mon dieu. Ah. C'est beau. Sérieusement. Après je vais. Go Call of MDR. Bon. Vous voyez, le devoir m'appelle sur Call of, mais je vais pas y aller tout de suite. Eh oui. Oh, mais regardez ça. Je trouve ça hyper beau. Que dire de plus de cette aventure avec la musique? Ça me fait presque une limite nostalgie. C'est pas possible que j'arrête sur cette vidéo. Il va falloir vraiment que j'en fasse d'autres avec cette musique. C'est vraiment pas possible. C'est tellement beau. Là, je dois faire quoi? Joindre des quêtes. Hein. Oui, mais pourquoi tu me dis ça? Tout le monde, ça je connais. Alors, lisez le parchemin des anciens à la fracture du temps. J'ai retrouvé le parchemin des anciens que les héros. Si Parthenax a raison, en le lisant près de la fracture du temps, j'aurai une vision du passé où les anciens nordiques ont utilisé le vent dragon contre Alduin. Tenter de connaître l'important. Non, après on s'en fout. Mais c'est où la fracture du temps? C'est bien gentil ça, mais je sais pas où c'est. Je vais le dire sérieusement, je vais essayer de me servir de ma mémoire. Ça se trouve, j'ai trouvé du premier coup, ça se trouve pas du tout. Est-ce qu'il faudrait aller au mont Odgar? Ah oui. Je suis con. Gorge du monde. On peut pas y aller directement là? Obligé de... Ouais, d'accord. Bon, bah c'est pas grave, écoute. Le déplacement est impossible s'il y a des ennemis à... Ah, d'accord. Okay. Où y a-t-il des ennemis, là? Là-bas. Ah, d'accord. Bon, attendez. On se fait un petit fight. D'accord. On se fait un petit fight. Ensuite, nous allons... Je pense qu'on va faire ça. On va aller voir cette cinématique. Oh, mais mon dieu, ils sont équipés, là. Oh. La parade est à retardement, j'ai l'impression. J'éclabousserai la neige de votre sang.
Et il a pas voulu soigner. Il a pas voulu soigner. Ah. On va tous. Non, on va pas simplement s'éloigner. Si, on va s'éloigner tout simplement. J'ai pas envie de me faire chier avec des gars comme eux, quoi. Ça y est, bientôt. Ça fait bientôt une heure. Hein. Je vais essayer de pas faire une heure pile. Hein. On va peut-être faire 1h05, une connerie comme ça. Mais le temps que la cinématique passe déjà. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire. Si ce qu'on doit faire après est vraiment pas trop long, je continuerai. Sinon, j'arrêterai là. Et puis, on fera ça. On fera la suite la prochaine fois. J'en connais certains qui connaissent Skyrim, qui ont déjà fini tout ça, qui sont peut-être déçus de ne pas me voir affronter Alduin tout de suite. Mais vous me verrez l'affronter. Je filmerai, s'il n'y a pas de souci. Bon. Carte. Le mont Odgar est derrière nous. Chou là, ah voilà, le monde gars là-haut. Je m'y téléporte directement, hein, on va pas laisser durer. Et mais en tout cas, je tiens à remercier mes 108 abonnés. C'est vraiment un gros chiffre, je trouve. Et puis pour la dernière vidéo des 100 abonnés, ça sera un montage qui arrivera, je pense, sûrement fin septembre. Je vais pas m'avancer, mais voilà. Et il y aura sûrement, déjà avant justement cette vidéo, la reprise de l'intégrale de Call of Duty. Parce qu'il faut vraiment que je la finisse, cette intégrale. Oula, attendez, chou là. Ah, il m'a fait peur. Mon dieu, qu'il m'a fait peur, c'est par Turnax. Alors, vous avez lequel? Le parchemin des anciens? Ouais. Tidcré Kalos. Le temps frissonne à son contact. Il n'y a plus aucun doute. La main du destin vous guide. Kogan Akatosh. Ah, vous êtes impressionné, hein. Les eaux mêmes de la Terre sont à votre disposition. Exactement. Eh bien, allez. Accomplissez votre destin. Portez le parchemin à la fracture du temps. C'est pour ça que je suis venu. Ne perdez pas de temps. Alduin viendra. Les signes ne lui auront pas échappé. Eh ben, arrête de me parler, je pourrais me dépêcher. C'est bon? Merci. Bon, je vais aller où? C'est quoi, c'est ce sort d'aura, là? Je sais pas si vous le voyez. Oui, vous le voyez, l'aura. Il y a un aura, là, un peu bizarre. Oui, c'est ça. D'accord, bon, ben. Il faut l'ouvrir là-dedans. D'accord. Bon, attention les gars. si je me rappelle, ça secoue un petit peu. Je me rappelle bien. Bon. Attendez. Je sauvegarde. Bon, on sait jamais. Je sauvegarde. Et là, nous allons dépasser. Bon, nous avons dépassé les 1h. Comme je vous l'ai dit, je m'en fous qu'on fasse un petit peu plus d'1h. Justement, ça ne dérange pas. Ça me réjouit. Voilà, c'est ça. C'est parti. Oh mon dieu, je vais où? Calcul d'itinéraire terminé. Voici à destination. Gormlaït, nous n'avons plus le temps. Le combat! Dark Souls pour ces Alduin Vokruy. Aujourd'hui, Alduin remonte sur son trône. Mais je salue ton courage. Crive vaut un crime. Maintenant, tu vas mourir pour rien. Pour bord de sel. Oh, épique. Marave lui la tronche. Bien. Pas la narine gauche. Droite. Excusez-moi. La narine droite. Il est mort. Quel jour de gloire. Tu ne trouves pas?
Vous n'êtes pas capable d'agir autrement que par effusion de sang. Je ne vois pas ce qu'il y a d'autre à faire. Le combat n'évolue pas en notre faveur. Si Alduin ne relève pas notre défi, je crains que tout soit perdu. Tu t'inquiètes trop, frère. Nous serons... Pourquoi Alduin reste-t-il replié? Nous avons tout parié sur votre plan, vieillard. Il viendra. Il ne peut ignorer notre défi. Et pourquoi aurait-il peur de nous, même maintenant? Nous l'avons déjà vu. Quatre de ses parents sont tombés sous ma lame, rien qu'aujourd'hui. Mais personne n'a encore fait face à un dragon derrière. Kaltor, Sori, Birkir. Il n'avait pas fort dragon. Une fois qu'il sera à terre, je jure de lui couper la tête. Tu ne comprends pas. On ne peut pas tuer Alduin comme vulgaire dragon. Sa force dépasse largement. C'est pour cela que j'ai apporté le parchemin des anciens. Fais le dire. Nous avions convenu de ne pas l'utiliser. Je n'ai jamais voulu cela. Et si tu as raison, je n'en aurais pas non. besoin. Non. Nous allons nous occuper d'Alduin nous-mêmes, ici et maintenant. Nous le saurons bien. Il approche. Très bien. Pour le combat. Par contre, je peux pas bouger, hein. Je peux juste faire comme ça, hein, la caméra. Mais... Tahodi-san, in Indepani, Zuinda. Et en français? Comme ceux qui nous regardent de ce regard doivent vous envier en ce jour. Oh ouais, j'ai un peu de grand dragon, les gars. Ouais, les mecs. Grand dragon. Qu'as-tu fait? Quels sont ces mots déformés que tu as créés? Dans... J'en attendais le coup. Mais d'abord, Irkuma. Vous allez mourir de terreur en apprenant votre destin. Mais avant cela, Irkuma, tu mourras dans la terreur, car voici ton destin. Nourrir mes pouvoirs lorsque je te retrouverai en Sorenka. J'espère que vous entendez pas mal, parce que je sais pas si vous arriverez à lire la qualité. En gros, ça y a un peu d'histoire, hein. Au pire, au moins, ça spoilera pas les dialogues et vous me direz. Oh mon dieu, il l'a bouffé. Ça ne sert à rien. Vous l'avez dit, monsieur. Vous l'avez dit. Viens, Alduin Mêlé. Kinaret, prête-nous ton bouche sacré pour lui faire entendre notre prière. Disparais, dévoreur de monde. Par ces mots qui te précédèrent, nous rompons le lien qui lie à ce monde et te congédions. D'accord. Sois banni. Il dit ça, le jeu va se faire défoncer, je le sens. Quoique. Sois banni à jamais. D'accord. Donc. Ça a marché. Vous avez réussi. Il est mort. Enfin, oui. Il est entre guillemets. Le dévoreur de monde n'est plus. Que les esprits aient pitié de nos âmes. Par contre, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est tout flou, moi aussi c'est tout flou. J'ai appris un nouveau mot, les mecs! Apprenez le cri Frandragon auprès des héros, hein? Battez Alduin! C'est le show! Je suis repu des âmes de tes. Mortel, Dovahkiin. Tu vas mourir et je t'en retrouverai en Sorenka. Attends, ça c'est Alduin ça? Lost Font, il est trop tard, Alduin. Dovahkiin, utilisez le fond dragon. C'est... Non, ben les amis, nous allons finir sur ce combat contre Alduin, c'est épique. C'est pire qu'épique, c'est époque. C'est époque. Allez, cri. Alors, attendez. Quand je retrouve le fan dragon, il est là.
connaissant. Il est où le fin dragon? Ah, attends deux secondes. Après, je t'écoute pas. Partir en axe, y a pas de souci. Fin dragon. Il est là. Peut-être avec ça, ça ira mieux. Sous la Kremoulague. Oh mon dieu. T'as aidé quoi ce cri? Eh les mecs, je dois battre Alduin. Mais je crois que c'est pas le combat final. C'est moi où je suis déjà à deux doigts de mourir là. C'est moi où je meurs en fait. Alors attendez. Oui bah oui, j'ai compris. Oh. Prends pas pour un bouffon non plus, j'ai compris qu'il faut que j'utilise le fond dragon. Mais c'est pas que en 5 secondes je meurs devant Alduin quoi, c'est pas comme si c'était ça. Mais le pire c'est que là, si je bats pas Alduin, en vrai je suis baisé jusqu'au bout parce que de toute façon je peux pas passer le combat, je peux pas contourner la quête. Je suis en combat contre Alduin, il faut que je batte Alduin. Je sais pas par quel moyen mais. Est-ce que j'ai déjà mis le fond dragon là? Est-ce qu'ils l'ont mémorisé? Le fait que je l'ai mis. Non, ça c'est dommage ça. Ils l'ont pas mémorisé, donc on va le remettre. Créer en dragon. Là, je sauvegarde encore un coup, hein. C'est peut-être chiant pour vous, mais. Voilà, c'est au moins j'ai fond dragon sous la main. Encore une fois, je me fais baiser. Voilà. Encore une fois, je me fais baiser. Voilà. Je suis le plus des âmes de tes frères mortels, Dovahkiin. Tu vas mourir et je t'en retrouverai. En Sauvengarde. Bon. L'Enfant, il est très tard. Dovahkiin, utilisez le fond dragon si vous le connaissez. Et si on le connaît pas? Non, je déconne. Ah, attendez, ça se recharge hyper vite à ce que je vois. Si vous le loupez, c'est pas grave. Donc ça, c'est Alduin, hein, on est... Je tire pas sur le Parternax. J'ai loupé. Par contre là, je vais peut-être avoir l'air d'une tanche ou je sais pas quoi, mais je vais m'enfuir. Non, sérieusement c'est impossible. C'est théoriquement impossible que je puisse le battre. Alors les gars, je suis désolé, je vais, juste pour cette fin d'épisode, s'il vous plaît, je vais enlever le mode difficile. C'est parce que c'est impossible que je puisse battre Alduin. C'est impossible que je puisse le battre, en tout cas, en dans cette difficulté, c'est vraiment impossible. Je suis désolé, mais je suis obligé. Je vais peut-être voilà passer pour le dernier des losers ce que vous voulez, mais je peux pas rester bloqué comme ça. Donc je vais mettre peut-être pas en facile ou en novice, je vais mettre en normal. Voilà. Et je suis pas non plus une tanche à ce point, je vais pas me mettre en novice. Machin. C'est juste que Alduin normalement fera moins de dégâts. Je suis le plus des âmes de tes frères mortels, Dovahkiin. Balokin a quitté sa maison. Et je t'en suis trouvé les âmes de tes frères mortels, Dovahkiin. Lost Font, il est trop tard, Alduin. Dovahkiin, utilisez le fond dragon si vous le connaissez. J'ai mis en mode talent. Et si lui on le connaît pas? Non. Oh, je l'ai eu. Oh, yeah, je l'ai eu.
je prépare direct la marque mortelle. Vous voyez là, c'est un tout petit peu plus facile. Non, j'ai dit que c'était plus facile, c'est la même chose, c'est exactement pareil. Non, sérieusement, ça m'énerverait d'arrêter la vidéo sur une défaite comme ça. Faut vraiment que j'arrive à le battre. Mais vous voyez, est-ce que, je sais pas si vous avez fait gaffe à ma vie. Juste ma vie. Est-ce que vous avez fait gaffe? Un truc de malade. Est-ce que ça a enregistré le fait? Ouais, c'est pour être sûr. Non, c'est bon, ben, sauvegarde pas, j'ai rien changé. Ah. Attendez. Pendragon. Par contre, comme ça, je trouve qu'elle est. L'image a trouvé pique comme ça. Tu vas mourir et je t'en retrouve. Attendez, je vais vite fait faire un petit tour sur ce que j'ai à Pelosa. Mais... Oui, ah oui, tu vas me retrouver à Sovenga. Bon, j'ai compris. Je suis un fou, moi, je reste sans feu. Lost Font, il est trop tard. J'ai tiré à côté. Utilisez le fond dragon si vous le connaissez. En plus, avec la musique. Oh mince, c'est Sparturnax. Où il est? Il est où? Utilisez le fond dragon, c'est le seul moyen de vaincre. Je suis obligé d'utiliser le déferlement en fait, hein, pas la marque mortelle. Si quelqu'un comprend ce qui se passe, ben qu'il m'explique, y a pas de souci. Il y a une pluie de météorite là. Aïe. Je sais pas qui j'ai touché, c'est Parturnax ou pas? Je te dirais que c'est Parturnax, merde. Ah, c'est Parturnax, merde, il est où l'autre alors? Ça va être vraiment le combat le plus épique au monde. Hein. Enfin, que moi j'ai pu livrer, je pense. Pour l'instant. Par contre, si je le loupe... Je suis mort.
Bon, je suis désolé, une petite coupure de vidéo. Eh ben, ce combat sera pour la prochaine fois. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et puis, ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, bye tout le monde. Et encore merci à tous mes abonnés, etc. Allez, bye. Prenez soin de vous.